Dynastar Légende X106. Et ben, c'est un bon compromis, ça avance bien, ça accélère quand on le met sur la carte. Par contre, faut se méfier, les transferts de cars sont un peu lents, 106 sous le pied, des fois ça peut surprendre. Après, pente raide, pente défoncée, pente bosselée, trafole revenu, tout ça, on est assez confort. Par contre, faut se méfier dès qu'on a tendance à se laisser un peu sortir par le ski, c'est dur à revenir, faut vraiment rester sur l'avant. Parce que sinon on se fait coucher. Un bon tail répondant dans les bosses, c'est rigolo, ça permet dérapage assez cool, confortable. Et par contre, si on veut rester sur la carre et lui en mettre un peu, faut être attentif. Je dirais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un ski comme ça.